as long as you live. Someone who loves you tender like I do, you'll never find. Take the end of all time. C'était qu'un coup de patte. Oh, d'accord, d'accord. Oh, oh. Oh, on a fait très peur à papa chéri. Papa, il a fait le coquin. Papa, il est tombé de la falaise et il a fait boum, boum, boum. Ah, oh, quel coquin, ce papa. Ah oui. Désolé, les gars. Fausse alerte. C'était qu'un coup de patte. Oh. Ouais, bah y'a des coups de patte qui se perdent. C'est la troisième fois ça l'air de la semaine. Ok, le spectacle est terminé, j'ai reculé, y'a rien à voir. Hé, hey, bah j'ai encollé une autre quelle brioche dans le tiroir. Oh, je suis pas enceinte. Aou. Quel dommage, tu feras une si gentille maman. Aou. Mani, je sais que t'es toute excitée, moi aussi je le suis. Mais là, t'y vas un peu fort. D'accord, d'accord. Mais dis donc, tu te mets à parler comme Diego? Au fait, il est où, Diego? Maintenant. Doucement, tu vas perturber le bébé. Le bébé va très bien. Pour ce qui est d'être perturbé, c'est le papa qui m'inquiète. On ne triche pas. Voilà.
Un terrain de jeu pour le petit. Wow. C'est magnifique. Oh, mamie. Je l'ai fabriqué moi-même. C'est notre famille. Hé, hey, pourquoi j'y suis pas, moi? Tu peux être sur le nôtre? Regarde, t'es assorti. Oh, c'est gentil. Bien sûr, il y a encore des choses à améliorer. Des trucs à raboter à droite, à gauche. J'arrive pas à le croire. T'installes des sécurités enfants dans la nature? Des sécurités enfants? Mais qu'est-ce que tu racontes, Ellie? C'est ridicule. Mani, le monde dans lequel notre enfant va grandir est ce qu'il est. Tu peux pas le refaire. Bien sûr que si, je peux. Je suis la chose la plus grosse du monde. Très bien, gros papa. J'ai hâte de te voir à l'œuvre quand ce sera un ado. Sois sage, Sid. Je t'interdis de toucher à quoi que ce soit. C'est un endroit pour les enfants. T'es un enfant? Non, ne réponds pas. Ah, Diego, te voilà. Tu as raté la surprise. Ah oui? Oui, bon, je viendrai voir tout à l'heure. D'accord, à plus. Tu sais, Mani, je crois qu'il y a quelque chose qui le tracasse. Mais non, je suis sûr que tout va bien. Tu devrais aller lui parler. Les garçons, ça parle pas entre eux de problèmes de garçons. Les garçons, ça se donne de bonnes tapes sur l'épaule. Ah ouais, bah c'est stupide. Pour une fille, peut-être. Mais pour un garçon, ça vaut au moins 6 mois de thérapie. Bon, d'accord, je vais le voir. Salut. Aïe! Pourquoi tu fais ça? Bah, j'en sais rien. Bon, écoute. Ellie pense que quelque chose te tracasse. J'ai eu beau lui dire... En fait, je me dis de plus en plus que bientôt, il pourrait être temps pour moi de m'en aller. Bon bah alors, je vais aller lui dire que tout va bien, qu'il n'y a rien. Attends, regarde-moi, Mani, je perds peu à peu de ma vigueur. Je ne suis pas franchement fait pour animer des goûters d'enfants. Ça veut dire quoi, ça? Fonder une famille, c'est un événement et je suis heureux pour toi, mais... C'est ton aventure, pas la mienne. T'as pas envie de vivre auprès de mon petit? Non, c'est pas ça. Tu interprètes mal mes paroles. Non, c'est très bien. Vas-y, fonce vers l'aventure, monsieur le héros solitaire. Ne laisse pas mon ennuyeuse vie domestique freiner tes élans de baroudeur sur le retour. Ce n'est pas Ellie qui est censée avoir un bouleversement hormonal? Attends, Mani, personne ne va partir. Alors? Et voilà ce que ça donne quand les garçons parlent aux garçons. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Diego s'en va. Attendez! C'est quand même le plus beau moment de nos vies! On va avoir un bébé! Non, Sid. Ils vont avoir un bébé. Oui, mais on est une horde! Une famille! Écoute, la situation a changé. Mani a d'autres priorités maintenant. Sois réaliste. On a vécu des choses fortes, mais il est temps de tourner la page. Alors on reste juste toi et moi? Non, Sid. On reste pas toi et moi. Crash et Ellie viennent avec nous. Que Crash? Que Ellie? Au revoir, Sid. Bon, allez, t'angoisse pas, Sid. T'angoisse pas. T'es doué pour te faire des amis. Je vais fonder ma propre horde. Voilà ce que je vais faire. Dans ma maison sous terre. Oh, hey non, ouais. Ça va ou quoi, copain? On se commande une pizza? Bon. Bah, au moins, t'es toujours aussi beau gosse. Ah, super. Y a quelqu'un?
petit. Je sais ce que ça fait de se sentir abandonné. Vous en faites pas. Vous n'êtes plus tout seul maintenant. J'ai failli faire une attaque. Oh, pardon, mon chéri. Mais on se fait du souci quand on aime. Allez, viens que je te présente Tonton Manny et Tata Ellie. Bonjour. Bonjour, Tata. Alors, je vous présente Mimosa, Cocotte et Sister. Sid, je sais pas ce que c'est l'idée, mais c'est pas une bonne idée. Chut. Mes enfants vont t'entendre. Ce ne sont pas tes enfants, Sid. Rapporte-les. Tu n'es pas fait pour être parent. Pourquoi ça? Preuve numéro 1, tu voles les œufs de quelqu'un d'autre. Preuve numéro 2, l'un d'entre eux a failli virer à l'omelette. Sid, quelqu'un doit se rendre malade, aller chercher partout. Non, ils étaient sous terre, sous la glace. Sans moi, alors qu'il est, ils seraient... des œufs en neige. Sid, je comprends ce que tu éprouves. Mais toi aussi, tu auras une famille un jour. Tu rencontreras une fille gentille, pas trop exigeante, qui aura pas trop le choix et pas trop d'odorat. Ce que Manny veut dire, c'est que tu as beaucoup... Oh, ça va, j'ai compris, je les ramène. Vous aurez votre famille et moi, je finirai seul. Sans personne au monde. Une forteresse de solitude. Dans la glace. Pour la vie. Et je l'ai seul et solitaire. Ça fait beaucoup de solitude. C'est bien ce que je dis. Sid, t'en vas pas. Mais si, qu'il s'en aille, il va s'en remettre. C'est un des avantages qu'il y a à être Sid. Et pourquoi je devrais vous ramener? J'adore les enfants. Je suis responsable, affectueux, pédagogue. Vous trouvez pas? Je savais que vous seriez d'accord. Oh non, pleurez pas, pleurez pas. Il faut pas. Je vais vous mettre au sec. Voilà. Ça va aller, je vais vous essuyer. C'est trop dur. Être parent, c'est trop de travail. Je suis peut-être pas prêt.
des petites frimousses toutes propres. Il faut faire, j'ai une idée. Yo yo, yo yo, vilaine grosse bébête moche, je suis ton bébé chéri et je viens boire le bon lolo. Ah, je croyais que t'étais une femelle. Je suis désolée, vous ne pouvez pas entrer. Manny dit que c'est que pour les enfants. Mais au fait, vous êtes des enfants! Aïe! Et surtout, n'abîmez rien! Hé, il paraît ça dès que le terrain de jeu est ouvert! Non, attendez! Non, non, pas pour tout le monde! Non, 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 touche pas à ça! Sortent ces trois-là. On s'en fiche, ils sont trop marrants. Jouez gentiment. Maman, il veut pas partager. Vous allez intervenir, j'espère. Pourquoi? Mon fils l'a pris en premier. Même pas. Même que si. Même pas. Même que si. Même pas. Mensonge, mensonge, ta cruche s'allonge. C'est comme ça que vous les élevez? Je suis une mère célibataire avec trois enfants. J'ai droit à un minimum de compassion. Non. Oui, c'est un peu embêtant, ça. Oh arrête, 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 arrête. Oh non, non. Oh oh, la pauvre petite Josie. J'essaye, maman. Non, non. Oh tous les spécialistes disent qu'on doit laisser les enfants manger ce qui leur fait plaisir. Tu trouves que j'ai les chevilles gonflées? Les chevilles? Quelles chevilles? Oh, 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 Jean-Jacques, mais tu arrives d'où comme ça? Oh non! Allez, s'il te plaît, recrache-le. Si tu recraches pas le petit Johnny, on quitte le terrain de jeu immédiatement. Un, deux, ne m'oblige pas à dire trois. Eh ben voilà, il pète la santé, ce gosse. C'est pas le petit Johnny. Oui, ben c'est mieux que rien. Josette! Allez, toi, on vomit son copain. Sid! Oh, tiens! Salut, Manny. Mon petit Johnny! Oh non, 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 non! Oh, je suis désolé.
Tout son parc est destroy. Et c'est même pas à nous. Je crois qu'on perd la main, frérot. Quand même, le plus important, c'est que personne n'ait été blessé. À part lui, là. Et puis ces trois, là. Ah ! Et aussi elle. Je t'avais dit que tu devais les ramener, tu les as gardés. Regarde ce qu'ils ont fait. D'accord, je le reconnais, on a un petit problème de discipline. Manger les enfants n'est pas un problème de discipline. Mais il les a recrachés. Oh bah c'est formidable, décernons-lui une médaille. Tiens, le prix de la camaraderie. Ils n'ont pas leur place ici, de quelque espèce qu'ils soient, ou que tu les aies trouvés. Rapporte-les. Maï, je ne vais pas abandonner mes petits. Tremblement de terre. Tout va bien, tout va bien. Maman est là. Ça hurle, un tremblement de terre. Fossile, je le trouve drôlement en colère. Sid ! Vite, dans la grotte. Que personne ne bouge d'un poil. Sur le corps. T'as rien trouvé de plus spirituel? C'est bête, le pauvre. Qu'est-ce qu'on va le regretter? Oh, non. Pas si vite. Bien. Ellie, je refuse que tu ailles plus loin. Crash, Eddie et toi, vous rentrez à la maison. Mais oui, t'as raison, compte là-dessus. Mais Ellie, tu as vu ce monstre? Aller là-dedans, c'est très risqué. Parle à ma trompe. D'accord. Une fois qu'on aura sauvé Sid, je le tue. Les dames d'abord. On laisse la place aux aînés. Après l'effort, le réconfort. Quel effort? Sid ? Sid ! Oh non, c'est pas bon, ça c'est pas bon. Ellie ! Ellie, arrête! Bon, écoute, si
tu ressembles quoi que ce soit. Même si c'est rien, tu me le dis et on sort de là tout de suite. Mais oui, d'accord. Oh, il faut qu'on trouve un code. Oui, quelque chose qu'il faudra dire. Le bébé arrive. Par exemple... Ah, le bébé arrive. C'est pas mal ça, non? Non, c'est trop long. Faut trouver quelque chose de court, de pêchu, comme... pêche, hein? Pêche? J'adore les pêches. C'est tout doux, c'est tout rond, c'est tout pelucheux, comme toi. Donc tu me trouves ronde? Mais ronde, c'est bien. Ronde, c'est hyper sexy. Oh. Reste bien à côté de moi. Est-ce qu'on est tous en train de faire le même rêve? On vivait au-dessus d'un autre monde et on ne le savait même pas. C'est noble de ta part! C'est pas le moment, les garçons! On a besoin de se serrer les coudes! Oh. Oh. Bon bah tant pis! Tiens, mon grand, tiens! Viens chercher! Très bien. Viens chercher. Monte là-dessus. Ça va pas. On va pas monter sur cette chose. Tu choisis ou bien ce dinosaure, ou bien celui-là. Les femmes et les enfants d'abord. S'il te plaît, me refais jamais un truc pareil. Je me sens tout petit. Et moi, ton avis? T'es un vrai ouf! T'es le frangin que j'ai jamais eu! Moi, pareil! On peut le garder, s'il vous plaît. Bob! Buck? Quoi? Je m'appelle Buck. Version longue, Buckminster. Version courte, pas très affûté, tout ça. On peut savoir ce que vous faites là? Un dinosaure a enlevé un de nos amis. Eh ben... Il est mort.
Bienvenue dans mon monde. Bon allez, salut. Rentrez chez vous. Pas sans Sid. Attends, Ellie, ça se trouve, cet ermite caractériel n'a pas tort. Manny, c'est pour ça qu'on est venu ici. Alors on va le retrouver. Regardez, il y a des empreintes de pattes. On les suit. Ouah ! Si vous poursuivez, vous le retrouverez, votre pote. Dans l'au-delà. Et comment le sais-tu, ô grande et sage belette experte ? Ouais, maman dinosaure, travaillant trois bébés et un truc mou et verdâtre. Oui, bah le truc mou et verdâtre, on est amis avec. Et tu as lu tout ça dans les empreintes ? Non, absolument pas, non. Je les ai vus passer tout à l'heure. La mer se dirigeait vers les chutes de lave. C'est là qu'ils emmènent leur nouveau-né. Mais pour y arriver, il faut traverser la jungle du malheur, passer le gouffre de la mort. Jusqu'aux falaises de l'effroi. Bon bah tu sais quoi, on va te laisser tranquillement sombrer dans la folie. Et puis nous on va y aller, hein. Oula 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 oula. Oula. Mais qu'est-ce que tu te crois sur une plage sous les tropiques? Ici tu pourras pas protéger ta meuf, Man. Tu vas faire quoi avec tes pauvres défenses quand tu te retrouveras face à la bête? Je l'appelle Rudy. Ah bon, ça va, je m'attendais à quelque chose d'intimidant, genre Bobby ou Gégé. Attends, tu veux dire qu'il existe une chose plus grosse que maman dinosaure? Aïe. Aïe. Aïe, aïe. La chose qui m'a refilé ça. Waouh, il t'a refilé ce bandeau? Gratos? C'est trop cool. Peut-être qu'il nous en refilera à nous aussi. Bienvenue dans mon monde à moi. Abandonne tout espoir, toi qui entres ici. Ok, on a pigé. Malheur et désespoir, bla 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 bla. Ça fait un bruit de jungle du malheur. Attends. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pêche? Quoi? Non, ça n'a rien à voir. J'ai une drôle de sensation. Bah oui, t'as faim, t'es en hypoglycémie. Oh, tiens, il y a un fruit. Non, Manny! J'éviterais si j'étais toi. On n'est pas exactement sur ton terrain de jeu. C'est ça. Il manquerait plus que j'ai peur d'un petit fruit. Hein? Mon petit doigt me dit que ça, tu t'y attendais pas. Que ce soit clair, c'est officiellement de ta faute. Tu mangeras pas nos bottes, plante. Bon, ça suffit. Je vais déraciner cette saleté. Si tu fais ça, elle se fermera hermétiquement pour toujours. Pardon? Relax, mammouth en cloque, te mets pas la trompe au courbouillon. Je les sors de là avant que la digestion commence. La digestion? Restera plus que des os d'ici 3 minutes. 5 à la rigueur pour le gros. Je ne suis pas gros! Oh, je me sens tout chose. Évite de dire ça quand tu es collé contre moi. Pas tout chose comme ça, enfin! Moi aussi, je me sens tout chose. Bonjour! Aidez-nous!
Allez, vite! Il est temps que se pointe. Buck la baston. Alors, qui c'est le gros? Une plante énorme. Qu'est-ce qu'on dit? Merci de nous avoir sauvés. Buck, tu nous aides à retrouver le truc mou et verdâtre? Ce ne sera pas nécessaire. Si, ça le sera. Ok, je vais vous aider. Mais il y a des règles. Règle numéro 1, toujours écouter Buck. Règle numéro 2, toujours rester au milieu de la piste. Règle numéro 3. Ceux qui ont des gaz marchent à l'arrière de la meute. En route, mauvaise troupe. Hop, hop, hop. On devrait tous aller voir un psy. Ça, c'est la règle numéro 4. Allons récupérer votre copain. Vous inquiétez, tout va très très bien. S'il te plaît, si tu pouvais arrêter de gigoter, j'ai un peu mal au corps. Eh ben voilà, elle nous pousse par terre. Non, je suis trop jeune pour être mangée. Jolie morve. Et je dis pas ça à tout le monde. La famille, c'est compliqué de nos jours. On peut peut-être trouver un arrangement. Je peux les prendre du dimanche au mardi, du mercredi au vendredi, les week-ends. Coucou, tout va bien. Maman va bien. Si tu me manges, tu leur envoies un message négatif. Pour le paresseux. Le score est un peu plus serré là. Tu crois que la bête va trouver Sid? Et surtout qu'elle va nous trouver. Non. Rudy, mais vous rigolez ou quoi? Il est impitoyable. Il sait tout. Il voit tout. Il mange tout. Alors oui, il va nous trouver. Hé, hey, barre-toi de mon herbe. Allez, zou. Je l'ai connu quand il était chenille, avant que qu'il fasse son coming out. Alors comme ça, tu vis ici au jour le jour, en te débrouillant tout seul, sans aucune aide, aucune responsabilité. Mais non, aucune. Le pied total. Personne à charge, zéro contrainte. La plus belle vie dont un célibataire puisse rêver. T'entends ça? Je crois que je vais venir m'installer ici. Allô? Oui, mais non, je peux pas te causer, là. Non, non, mais j'essaie de retrouver un paresseux mort. Ouais. Mais non, ils me suivent, moi. Mais je sais,
Il croit que c'est moi le dingue. Ah. Non, ok, on arrive au gouffre de la mort. Je vais plus avoir de réseau. Non. Oui, moi aussi, je t'aime. D'accord, je te laisse. Ok, suivez-moi. Ça, c'est toi dans 3 semaines. Et pourquoi on appelle ça le gouffre de la mort ? On a bien essayé de l'appeler la grosse fente qui pue, mais je sais pas pourquoi, ça faisait marrer les gens. Bon, et on fait quoi ? Madame. Pop, ne va pas aller là-dedans. Pop. Règle numéro 1. Monsieur. Ah ! C'est quand tu veux, mammouth. T'es censé avoir une bonne mémoire. Toujours écouter Buck. Alors, la tête droite, le dos droit et... Ah oui, respire pas les vapeurs toxiques, sinon tu meurs. Les vapeurs toxiques ? Eh oui, une journée de plus au paradis. Attends ! Et on respire plus ! Je fais pas ça, moi. Hé, hey Manny, tu descends ? En voiture, Simone ! Vous allez voir, c'est pas compliqué ! Les doigts dans la truffe ! Pas de panique ! C'est 3 fois rien ! Un petit souci technique ! Continuez à retenir votre souffle ! Tant pis, je tiens plus ! Il a respiré ! Oh. Ah bah zut, moi aussi ! On est pas mal. T'as une voix débile. Moi ? Tu t'es pas entendu. Attention, c'est parti. Et un, et deux, et un, deux, trois. Alouette, gentille alouette. Alouette, je te tuerai. Vous êtes cinglé. C'est pas du poison. Attends, c'est trop zarbi. Immédiatement! Arrêtez immédiatement! Règle numéro 1! Ils ne font que rire, c'est pas dramatique! Ceux-là, ils sont morts de rire! Arrêtez de rire! Vous savez que c'est le plus marrant! On est là pour sauver Sid! On va tous mourir! Je l'aime pas, Sid! Personne ne l'aime, c'est un bouffon! Hey, merci de m'avoir entraîné dans ce foutoir! Je m'étais pas marré comme ça depuis des années! Merci à toi d'avoir déserté la horde! Ça m'a éclaté! Ça suffit! Mais vous ne comprenez pas! Qu'on va tous y passer! Faut qu'on fasse tout, nous, les femmes. Moi, quelquefois, et ben je mouille mon lit! Énorme! Moi, quelquefois, et ben je mouille le tien! Je me rends pas compte, t'entendais bien d'ici? Oh oui, on ne peut mieux. Ah ouais? Bon... T'as fait pipi dans mon lit? C'était le gaz, c'était pour rire. Bon, on devrait y aller. T'es sûr qu'on n'oublie rien, Manny? Oh, Rudy. Je suis si seule dans cette vie. Et voilà, c'est pour vous les enfants. Mangez. Quoi? On veut pas manger les bons légumes? Pour devenir de grands et forts dinosaures.
Non, 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 non. Je l'ai fait manger végétarien. C'est plus simple comme mode de vie. Regarde-moi, avec ce pelage, on me donne 10 ans de moins facile. Excuse-moi, j'essaie de mener une conversation, là. Non, 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 c'est pas pour nous, ça. C'est beaucoup trop viandeux et plumeux et... Oh, et vivant! Non! Non, 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 nous ne mangeons pas d'animaux vivants. Point à la ligne. Vol! Pars! Sois libre! Gentil oiseau qui ne sait pas voler. Oh, ben mince alors! Hé, où est-ce que tu vas, toi? C'est comme ça que tu gères les conflits? Tu m'étonnes que t'es célibataire! Oh, je t'en prie, j'ai vraiment l'impression de faire un monologue. Je te dis que les petits sont végétariens, tu fais gris. Je te propose d'en discuter, tu fais gris. J'appelle pas ça communiquer. Ah, tu vois, c'est ton seul et unique argument. Bah, de quoi t'as peur? Y'a pas plus gros que toi sur Terre. Si, y'a. Wow. Ils pourront pas survivre, c'est trop dangereux en plein jour. Mais c'est encore pire de nuit. En plus, leur guide est grave taré. Quoi? Tu parles de Beck? C'est un grand malade. Non, c'est pas vrai. Absolument ouf. Ma petite pied des pieds. La ferme. Toi, la ferme. Une espèce de... Je t'aurai. Je rêve, il étrangle son propre pied. On devrait pas se remettre en route. Quoi? Pour offrir à Rudy son casse-dalle du soir, tu peux te brosser. Le sac d'os a raison. Reposez-vous, mammifère. On bivouaque ici. Bon, allez. C'est qui a faim? Moi, j'ai faim. Toi, t'as pas besoin de calories. Et j'étais là, fait comme un rat, aucune issue possible, perché sur le fil du rasoir de l'oubli, l'œil planté dans l'œil de la grande bête blanche. T'as été tué? Hélas, oui. Mais j'ai survécu! Ouf! Ouf, l'autre. Chut! Jamais je ne m'étais senti aussi vivant qu'en approchant d'aussi près la mort! Mais juste avant d'être englouti dans le gosier de Rudy, j'ai chopé un truc rose, mou et dégueu qui pendouillait dans sa gorge. Je me suis accroché à cette ventouse et je me suis balancé en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière. En avant, en arrière, en avant, et d'un coup j'ai tout lâché. Et je l'ai défoncé d'entier. J'ai peut-être perdu un œil ce jour-là, mais j'ai gagné ça. Une dent de Rudy. Dingue. Oui, comme dit le proverbe, œil pour dent, nez pour oreille, et pied pour... C'est un vieux proverbe, mais... C'est vrai qu'il est pas très bon. Buck, tu es super belette. Giga belette. Une belette de compète. Pat, 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 boum, boum, boum. Quoi? C'est vrai? Il y a aussi la fois où, grâce à une coquille de palourde bien aiguisée, j'ai transformé un tyrannosaure.
en tyrannosaurette. Raconte, mère. Bon, allez, ça suffit maintenant. On a une autre dose de contes de fées pour ce soir. Allez, viens, Ellie. T'as besoin de te reposer. Un vrai bout en train. Pas de soucis. Allez, roupiller un coup. Moi, je fais le guet. Laisse tomber, Buck. On assure. L'obscurité n'a pas de secret pour l'opossum. Ouais, la nuit est notre royaume, bébé. Bonne nuit, Rudy. On a un programme chargé demain. Fouiller la terre, chasser, regretter mes copains, qui me regrettent sûrement pas. Oh. En fait, il est hyper furbeux comme prédateur. Mamie ? Crash ? Eddie ? Mamie ? Qu'est-ce qui se passe, Manny? Quelque chose ne va pas? Je suis désolé. Tout ce que je voulais, c'était que tu sois en sécurité. Et je t'ai entraîné dans l'endroit le plus dangereux du monde. Mon amour, c'est pas ta faute. L'enjeu est plus gros que toi et moi réunis. On doit récupérer Sid. Oui, mais si j'avais été un ami digne de ce nom, on n'en serait pas là. Un ami digne de ce nom? Attends, tu peux me la refaire vite fait, celle-là? T'as risqué ta vie, celle de ta femelle, celle de ton bébé pour sauver celle de ton pote! Comme mari et comme père, j'ai des doutes, mais question amitié, t'assure. Ah. Oh. Sent comme si ça venait d'un popotin de buse. Oh, oh, qu'une bande de putois était venue arroser. Ça, c'est Sid. Mammifère, nous avons devant nous une scène de crime. Touffe de poils, carcasse rongée, reste de... Ah, non. Brocoli. Voilà ma théorie.
Le dinosaure attaque Sid. Sid réplique à coups de branches de brocoli, réduisant le dinosaure à l'état de légumes. Tu délires. Sid n'est pas violent. Il sait à peine mettre un pied devant l'autre. Et de toute façon, où est le dinosaure? D'accord, bien vu. Scénar numéro 2. Sid mange le brocoli. Le dinosaure mange Sid. Le dinosaure piétine le brocoli, réduisant le brocoli à l'état de légumes. Buck, à quel moment t'as perdu la raison? Il y a 3 mois. Je me suis réveillé un matin marié avec un ananas. Hyper moche en plus. Mais je l'aimais. Buck, je crois que t'es passé à côté d'un petit indice. Bon, bah c'est clair. Votre copain est peut-être encore en vie, mais pas pour longtemps. Rudy a laissé son empreinte. Ouah ! Eh oui. Les falaises de l'effroi. Ou plutôt ce qu'il en reste. En file indienne, direction les chutes de lave. C'est quoi ce qu'on entend? Le vent. C'est le vent qui nous parle. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne sais pas. Je ne parle pas le vent. Ouh! Oh! Ça va, Ellie? Tout va bien. Ne fais pas de soucis pour moi. Laissez seulement de... Ah! Ellie! Mamie! Oh! Saute sur le rebord! Alors, vous avez des grandes pattes. C'est assez sympa, je crois. Mais c'est haut agréable, voisin chaleureux. Bonjour, voisin. Rudy. Rudy? Ça, c'est un dinosaure que j'ai jamais entendu. C'est Sid! Alors, il faut qu'on se magne. Ananas? Une envie de femme enceinte. Banane, pamplemousse, brugnon. Elle commande une salade de fruits? Fais un effort, réfléchis. Ah oui, pêche! Pêche! Quoi, pêche? Pêche! Le bébé! Mais maintenant! Ça, non, c'est pas bon. Oh non, le bébé arrive, vous avez entendu, vous aussi. Parce que par moment, c'est mon imagination. Tu peux l'empêcher de sortir? Quelqu'un peut le siffler pour moi? Aïe! Voilà, c'est fait. Ah!
touche surtout pas. On arrive. Il y a qu'une chose à faire. Les opossums, avec moi. Manny, tu restes et tu t'occupes d'Ellie jusqu'à ce qu'on revienne. Quoi? Non mais tu peux pas partir maintenant. Elle a quitté la piste. La règle numéro 2 alors? La règle numéro 5 permet de passer outre la numéro 2. Si ça concerne une femelle. Ou éventuellement un petit chien. J'invente le règlement au fur et à mesure des besoins, tu sais. Oui, mais elle va. Tu dois me... Manny, tout va bien. Je vais assurer tes arrières. Ça, c'est bien causé. On s'arrache. Prends soin de notre grande sœur, beau-frère. Sans te commander. Ça veut dire quoi, je vais assurer tes arrières? Il ferait mieux d'assurer leur devant. C'est devant qu'il y a le bateau à protéger. Eh, j'ai pas raison. Allons-y, Manny. Ouh, courage, reste zen, tout va bien. Ouh, ton papa arrive. Ouh, tu sais quoi, mon chéri? T'as vraiment choisi ton moment. Connaître l'aventure. Oui, chef. Le danger. Oui, chef. La mort. Tu peux répéter la question? On saute. Et voilà. T'as déjà piloté ce truc-là? Non, jamais. C'est la première fois. Elle est là-haut. Ellie! Manny? Il faut que je la rejoigne! Non, attends. Moi, je vais aller la protéger. Toi, t'arrêtes les bestioles. Mais tu crois que tu peux? Manny, s'ils parviennent jusqu'à elle, ce sera trop tard. Il faut que tu me fasses confiance. D'accord, on fait comme ça. Comment je l'ai dosé? Je suis un type de compète. Pardon de te déranger, Fred Astaire. Il y a des gens qui accouchent ici. Oh oui. Désolé. Oh, tu vas bien? Si je vais bien, tu connais quelque chose en accouchement? Non, pas vraiment. Mais Manny va pas tarder. Diego, j'ai très peur. Je peux te tenir la patte? Oui, évidemment. Essaie d'accepter la douleur. Ce n'est qu'une contraction. Regarde, il est là. Tango Charlie. Non, c'est Sid. Oh, je sais. Tango Charlie. On peut pas aller chercher Sid d'abord et puis revenir après pour Charlie. Oh, il m'énerve. Garde. Mec!
dindon psychopathe! Surtout, t'inquiète de rien. Tu te débrouilles bien. T'assure comme une bête. Excuse-moi. Surtout, respire bien. Diego! Respire à fond, Ellie. T'occupe pas du reste. Attrape les munitions. Escadrille à 3 heures. Cueille d'être paresseux. On est touché. Menez, menez. On perd de l'altitude. Prenez les commandes. Oh, la lettre de chacal. Oh là là, c'est tordu comme relation. Ah, je t'aime, mon frère. Je sais. Secoue-toi, ma vieille. Allez. Redressez. Ceci est la fin de Sid le paresseux. À l'aide! Mais non, Sid, c'est moi! Et moi! Et moi! Je voudrais pas être négatif, mais c'est Sid qui conduit! Ce sont mes petits. J'ai même pas pu leur dire au revoir. Tu peux le faire. Pousse. Pousse. Je peux pas. Je peux plus. Allez, cette fois, ça va être la bonne. T'as même pas idée de ce que je suis en train de vivre. Bon, d'accord, oublie ce que je viens de dire. Allez, on pousse tous les deux. Deux, trois. Je vous préférais nettement quand vous étiez éteint. Ça donne le tournée. Manny, viens vite, mon gros. Je crois que ça y est presque. Elle est magnifique. Je trouve qu'on devrait l'appeler Ellie. Petite Ellie. Moi, j'ai une meilleure idée. Pêche. Pêche? Pourquoi pas? Elle est toute douce, toute ronde et toute pelicheuse. Pêche. J'adore. Je t'ai vu, le caïd. Non, c'est l'autre dinosaure qui m'a griffé l'œil et... D'accord, je ne suis pas insensible. Saut de mort! Oh, c'est Sid! Ah! Oh! Ah! Tout! Ah! Oh, c'est un garçon! Sid, c'est sa queue. C'est une fille! Oh, salut, mon petit ange! Et qui c'est qui est là? C'est tonton Sid! Mais oui! Oh, mais elle est belle, cette petite fille! Ravissante! Elle ressemble à sa maman! Encore heureux! Oh, te vexe pas, Manny, t'es beau à l'intérieur.
Ça fait plaisir de te retrouver. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais tu m'as manqué, petite tête. Comme je regrette que mes petits ne soient pas là. Vous auriez pu être copains. Ellie ! Boutou, boutou, boutou. Je me suis fait la promesse que je pleurerais pas. Tu vas pas, moi. J'avais oublié comment c'était une famille. Et toi, t'as déjà pensé avoir des gosses? Ah. Allez, mammifère, je vous ramène au bercail. Nous y voilà, mammifère. Pile là où on s'est rencontrés. On s'est bien marré. On pourrait se le refaire de temps en temps. Je sais pas si c'est une bonne idée. Ah ouais. Oui, c'est vrai, il y a le danger de mort, tout ça, évidemment. Ok. Eh ben, Buck s'arrête ici. On n'y serait jamais arrivé sans toi. Ça me paraît évident. Mais c'était sympa quand même. On n'est pas tout seul. Salut, Rudy. Foncez ! Hé, t'as vu qui est là, fossile imbécile ? T'as une petite faim ? Viens me chercher si t'as le courage ! Tous dans la grotte ! Foncez ! Reste là, avec la petite. T'inquiète pas, vas-y. Poule bouillée, va. Il court, il court, le furet. Ah. Allez, zou, on se le fait. Allez, filles. Diego, attrape. Je passe dans le trou, je repasse au-dessus et je fais la boucle. Allez, les gars. Police. Ça ira mieux la prochaine fois, mon pote. Ça va pas tenir longtemps. Grouillez-vous. Hé, hey, attendez. Yeah!
Oh, mes chéris, c'est ici que vous allez grandir, dans cette jungle. Et je suis sûr que vous deviendrez de grands et terrifiants dinosaures. Comme votre mère. Et toi, maman? Prends bien soin de nos petits. T'as été un bon parent, Sid. Merci. Tu me prendras comme babysitter? Même pas en rêve. Oh, allez, je prends pas cher. Bon, d'accord, je vais y réfléchir. Yes! Ça y est, c'est non. Il est plus là? Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? C'est très simple. Viens avec nous. Tu veux dire dans le monde d'en haut? J'ai jamais pensé qu'un jour j'y retournerais. Je vis là-dessous depuis si longtemps, pour moi, c'est devenu chez moi. Je suis pas sûr que je pourrais me réadapter au monde normal. Bah et nous? Tu nous as regardés? Tu trouves qu'on a l'air d'une horde normale? Aïe! Adieu, ma jolie. Allez, on a de la route à faire. En avant, pêche. Il est vivant. Buck? Je dois... Oui. Et puis... Je dois m'assurer que ce monde reste bien souterrain. Veille sur eux, tigre. Toujours écoutez Buck. On va bien. Où il est, Buck? T'inquiète. Il est bien là où il est. Mais il va s'en sortir? Tu plaisantes? Rien ne peut venir à bout de cette belette. C'est plutôt pour Rudy que je m'inquiète. Je sais que le côté papa, maman et bébé, c'est pas trop ton truc, mais... Quoi que tu décides de faire, je tiens à te dire que... Je m'en vais plus, mon gros. Ma vie d'aventurier, elle est ici. Mais ben attends, j'avais préparé un discours, j'y ai passé des heures. Comment je peux te montrer que je peux être fort et sensible, noble et affectueux? Aïe! Merci. Ah, ça grandit tellement vite, hein. C'est vrai, regarde mes enfants. J'ai l'impression qu'ils sont nés un beau matin et qu'ils étaient plus là le lendemain. C'est ce qui s'est passé, Sid. Ouais, ça a été du boulot. Eh oui, mon ange. Bienvenue dans l'âge de glace. Yee-haw!
We'll be right back.